Alors la famille, aujourd'hui, on a un véhicule pour les vrais baroudeurs, pour les gens qui ne se contentent pas d'avoir un véhicule comme ça pour rouler sur le goudron et passer sur des petits chemins. C'est un véhicule qui est vraiment fait, alors pas d'origine, hein, pour pouvoir passer n'importe où. Il y a là-dessus une quantité d'options qui vont faire que ce véhicule va être quand même relativement élevé au niveau du prix, mais si tu es aujourd'hui dans une recherche de ce type de véhicule, en fait ce véhicule-là, pour être tout à fait clair, hein, au moment où tu l'achètes, tu ne vas pas le prendre et tout de suite aller faire du tout-terrain avec, parce qu'il n'est pas équipé pour, en fait. Hein. Sans préparation, tu ne pourras pas faire ce que tu veux avec, quoi que puisse te dire le concessionnaire lorsque tu l'achètes. C'est un Mercedes 570 4x4, Crossover. Alors je précise crossover pourquoi ? Parce que crossover c'est une série particulière avec tout un tas d'options dans le package crossover. Ce véhicule en est équipé, donc il est un peu plus cher que les autres, il est plus équipé. Je te donnerai au fur et à mesure les coûts de chaque option. Ça fait mal à la tête, hein ? Je te le dis tout de suite, si tu vas avoir la migraine. Hein ? La petite barre qui va bien. Alors bon, c'est haut, hein ? C'est haut, mais tu vois, d'origine, il n'est pas aussi haut. Là, il est un peu plus haut, tu vas comprendre pourquoi en dessous, je l'expliquerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motorisation là-dedans? Tu sais que ça, c'est un 2023, en fait. Il est d'avril 2023. Il a 3600 km, autant te dire qu'il est tout neuf. Je te donnerai les raisons de la vente à la fin. Tu verras, c'est, à chaque fois, il y a quelque chose de particulier. Hein. Quand on vend un véhicule comme ça, avec autant de préparation, c'est pas pour rien. Hein. En général, c'est qu'il y a une vraie raison. Hein. 2 litres 2, boîte automatique 9 vitesses, 190 chevaux. J'ai roulé avec, tu le verras dans la suite de la vidéo, je peux te dire que ça déménage. Le gros avantage, parce que bon, forcément, il y en a qui vont dire, ouais, mais il existait en 3 litres. Alors, c'est vrai qu'il existait en 3 litres. De mémoire, en 3 litres, il était en boîte 7, c'était la boîte 7 Gematic. C'était pas une boîte 9 comme celui-ci. On avait la même puissance. La grosse différence, c'est la conso. Hein. Alors, c'est vrai que le moteur V6 est rond, on aime le bruit et tout. Il y en a beaucoup qui ont vite acheté avant que ça disparaisse, hein, parce que le V6, c'était, je pense qu'il y a bien 2 ans maintenant qui est plus produit. Aujourd'hui, on est sur un 2 litres 2 qui est super performant, vraiment, hein, qui est très, très agréable. Je le disais tout à l'heure en conduisant, les vitesses, on ne les sent même pas passer tellement ça passe doucement. On conduit ça comme une bagnole, c'est très confortable. Donc, bah, tu peux, là, j'ai pas grand-chose à te dire, dans le sens où tout est neuf, hein. Le véhicule est complètement neuf, et d'ailleurs tu le vois, c'est neuf. C'est neuf de chez neuf. Alors bien sûr, à des blous, hein, là sur ces modèles-là, on peut pas l'éviter. Et alors tu vas voir ici, là il y a un tuyau. Il y a un tuyau, pourquoi? Parce qu'il y a un compresseur. Ce compresseur te permet de gonfler tes pneus, et te permet également d'utiliser une clé à choc, par exemple, une clé à choc pneumatique. Si tu dois dévisser tes roues, tu branches une clé à choc là-dessus, et tu desserres tes roues, tu desserres tes boulons, et tu fais ta pression des pneus si tu as besoin. Quand tu as besoin de dégonfler, tu peux regonfler derrière sans grosse manipulation, en fait. Hein. Tu ouvres le capot, tu branches, bouffe, tu gonfles. C'est pas tout. À l'avant de ce véhicule, d'origine, il y a un pare-pierre. Ça, tu vas le voir en dessous de toute façon. Hein. Regarde le pare-pierre. Le pare-pierre d'origine ne fait pas tout à fait 1 cm d'épais. Là, on a un pare-pierre qui fait 2 cm d'épais environ. Voilà. Regarde, tout en alu. Tu as le même pare-pierre, tu as un pare-pierre identique, hein, avec une épaisseur similaire, devant le pont arrière. Ça, c'est pour t'éviter, quand tu presses des rochers, etc., de frotter ton carter moteur, tout simplement. Ton œil exercé aura vu quelque chose qui est accroché ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un treuil, et regarde un peu comme c'est intégré, en fait. Tu vois rien. Alors là, tu as la sortie du treuil, derrière la plaque. C'est un treuil qui est radiocommandé. Tu as une radiocommande, et alors je te montrerai à l'intérieur. Il a été prévu au cas où les piles de la radiocommande ne seraient pas à bout, en fait, hein, pour être sûr de pas que tu restes pas coincé et que tu puisses quand même rentrer ton treuil, et bien il y a un câble et tu peux brancher ta télécommande sur le câble pour pouvoir utiliser ton treuil et le rentrer. C'est plutôt bien foutu, bien étudié. Et puis tu vois, il est là, il est intégré, quoi. Tu le vois pas, hein. Par buffle, bien sûr. Et là, c'est pareil, hein, c'est un coup. Alors, tu as un billet de 5000 balles presque, hein, pour l'ensemble du pare-buffle, du treuil et des pare-pierres. Voilà, c'est déjà 5000 balles. Le prix du compresseur, en fait, c'est 1600 euros. Tu
t'as 6600 balles, 6500 balles d'options en fait. T'as déjà le prix du véhicule qui est quand même pas donné, puisqu'un véhicule comme ça aujourd'hui, ça vaut 143 000 à peu près hors option. Hein. C'est pas la peine que je te montre, les vis sont pas rouillées, machin, tout ça, ça rime à rien, le machin est neuf. Hein. Donc c'est un Mercedes hein, en 4 roues motrices, voilà. Il n'y a rien de plus à te montrer. On regardera un peu le milieu de l'autre côté, mais le véhicule a jamais fait de tout terrain en fait. Hein. Alors ici sur le côté, c'est pareil, je vais pas te faire l'affront de chercher l'ovale pour les pneus, c'est neuf en fait. Hein. Ça a été remplacé d'un jeu de 4 jantes pour 5000 euros, encore. Hein. Plus 5000 euros tu mets sur ton addition. Et là on est passé en 18 pouces, c'est du BF Goodrich, les jantes c'est de la Delta. Alors la Delta c'est très répandu sur ce type de véhicule, on m'a dit. Hein. Moi personnellement je connaissais pas spécialement les marques, mais la particularité de cette jante c'est que le bord ici, tu vas certainement le frotter dans tes périples, ça se remplace, ça se change. Ça veut dire que quand t'as bugné là-dedans, bah, tu peux changer ta bordure de jante. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Le gros point fort de ce véhicule à l'utilisation, j'ai pu m'en rendre compte juste sur la route déjà, hein, la différence par rapport à d'autres véhicules Mercedes du même châssis, c'est la suspension. On a rajouté ces superbes combinés Falcon de provenance américaine pour avoir un véhicule qui est mieux suspendu et qui va être beaucoup plus efficace en tout terrain. Combiné avec cartouche séparée, tu vois, se règle. Ça veut dire que tu peux régler la dureté. Alors là, il est réglé pour la route. Si tu avais à parcourir des chemins, eh ben, il te suffit de descendre du véhicule, de tourner la molette, là, de la mettre sur le cran qui t'intéresse et c'est parti. À l'avant, c'est des combinés qui sont rajoutés aux combinés d'origine. À l'arrière, ils remplacent les combinés d'origine. C'est la seule différence avec l'avant et l'arrière. Et alors, il y a une autre différence. Je vais t'en parler tout de suite, comme ça, ce sera cohérent et on en parlera en même temps. Les voies ici ont été élargies de 30 mm de chaque côté. Tu as 3 cm de chaque côté pour élargir la voie. Pas à l'avant, parce qu'à l'avant, ça aurait travaillé les roulements. À l'arrière, il n'y avait pas de problème. Donc, on a une voie un petit peu élargie parce que logiquement, tu as les roues qui rentrent un peu plus. Tu vois, des cales, hein, tout simplement. T'as de l'éclairage. Alors, les deux éclairages devant font partie du pack de ce modèle-là, crossover. Donc ça, c'est d'origine. Par contre, sur le côté, tu vois, on a deux éclairages latéraux, des feux de position quand t'es arrêté pour te stationner, pour éclairer l'endroit où tu es. T'as ces deux feux, t'en as deux de l'autre côté, et à l'arrière, tu vas avoir ce gros feu-là. Tu vas avoir ce gros feu. Voilà. Donc, tu peux tout éclairer le tour de ton véhicule. Ça veut dire que si tu es en Afrique, par exemple, comme on le voit, bah, tu es Justin Ebi, par exemple, il a rajouté des feux comme ça, tu te stationnes et boum, tu vois tout autour. Le véhicule est quand même relativement haut. Hein. C'est quand même relativement haut. Donc, son propriétaire s'est dit, c'est vrai que pour grimper dedans, regarde. Petit marchepied, les LED, c'est éclairé, c'est magnifique. 3600 balles les deux. Donc ça veut dire pour ajouter deux marchepieds, c'est le coup. Après, c'est vrai que on n'est pas sur de la bricole. Regarde ça. Ça rentre automatiquement, ça sort automatiquement. Hein. C'est le prix. Hein. Pendant qu'on est sur le châssis, son propriétaire voulait pouvoir se caler à plat et ne pas avoir le véhicule qui dandine, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que s'il roule, il se retrouve dans la pampa avec le véhicule. Bah, il veut pouvoir stabiliser le véhicule. Je te laisse imaginer la démarche sur un véhicule comme ça, c'est pas la démarche sur un camping-car où on est quand même relativement près du sol. Eh bien, on a un système de vérin qui va être complètement différent. Je dirais que ça, en dimension de vérin, c'est des vérins que tu pourrais trouver sur un liner. Tu as des gros vérins avec des systèmes de fixation particuliers. Sur l'avant, ça a été aussi un casse-tête parce qu'il a fallu loger les vérins et garder les marchepieds. Donc, s'il a fallu que les deux soient compatibles pour que les vérins puissent passer. Donc là, ben, y a un billet de 10 000 en fait, encore une fois. Donc là, déjà, rien que là, de ce que je t'ai montré déjà, si tu as fait le calcul, on le verra à la fin, mais il y a des sous hein, déjà. La peau, ben, c'est de l'aluminium, hein, y a une technologie particulière, comme je te le dis souvent chez Himer, c'est une technologie qui est brevetée. Je ne sais plus s'ils sont encore garantis 10 ans, mais c'est des cellules qui étaient garanties 10 ans. Hein. Ça t'oblige à faire un test d'étanchéité tous les ans, mais par contre, ils sont vraiment sûrs de leur technologie. Les infiltrations, ça n'existe pas. Hein. Autour des fenêtres, ça ne bouge pas. Donc, on a des fenêtres affleurantes, hein, des fenêtres type camping-car. Et là, on va encore taper dans les options. Là, tu vois, là, on va encore taper dans du lourd. Alors, ici en dessous, on a la partie. Donc, là, ici, on a la batterie. On a une batterie ici classique, hein, une batterie AGM, je pense que ça doit être une AGM. On a les régulateurs MPPT Victron. Donc tu verras, on te parlera ensuite des panneaux solaires. Et on a deux batteries
lithium phosphate de 160 ampères chacune. Ça veut dire que là déjà, on a 320 ampères. Le problème, c'est que son propriétaire s'est dit, 320 ampères, moi, ça fait un peu court. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rajouter 320 ampères de plus, tu vois. Voilà, donc là, tu as 640 ampères de batterie lithium-ion fer phosphate. Tu peux voir le BL qui est très accessible et tu peux voir juste au-dessus un convertisseur 3000, 6000 watts en crête. Ça, ça te permet de faire tourner, par exemple, le climatiseur, hein, sans problème. Et puis, 640 ampères, c'est simple, on va le faire en watts, hein, parce que watts, moi, je te parle beaucoup de watts avec EcoFlow, c'est tout le temps, on est sur 10 watts. Ça va donner une petite dimension à tout ça. Ça te fait 7680 watts. Autant te dire que un climatiseur comme celui-là consomme environ 800 watts, à peu près. Imagine un peu le temps que tu peux tenir avec ce climatiseur. Tu tiens une journée complète, en fait, sur tes batteries. Donc, c'est pas tout, hein, on n'a pas fini, parce que là, il y a encore des options. Alors, 13 000 balles d'origine Himer. Ça, c'est rajouté chez Himer. Alors, logiquement, tu as une partie du mobilier qui s'enlève pour pouvoir mettre les pieds. Bah, là, finalement, là, elle est condamnée, hein, puisque là, t'as, en lieu et place, tu as les batteries, bien sûr. Hein. La sortie du chauffage Truma, donc c'est un Truma D6, on est sur un Truma gasoil, hein, qui fonctionne sur le réservoir de gasoil, donc tu n'as pas de soucis de rien du tout, hein. C'est chauffé au gasoil sur ton réservoir directement. Ici, tu vas avoir la cassette. Souvent je te dis il faut le SOG, ben là le SOG est intégré, hein. Tu vois, le tuyau est ici et la sortie est en dessous. Au départ la sortie était en dessus, mais son propriétaire a fait modifier pour que ça sorte en dessous parce que ben, au dessus c'était mal placé, en plus on a rajouté des panneaux, tu verras, le toit il est complètement plein. Hein. Ton œil averti aura remarqué qu'il y a une entrée de gaz, GPL, et bien en effet, on va avoir ici une bouteille GPL, donc ça c'est encore une option, et ici tu peux rajouter une bouteille de 13 kg, le trou est fait exprès pour que la bouteille elle puisse loger, parce que sinon tu vois t'as pas la hauteur, hein. Sinon tu peux mettre une petite bouteille, tu peux pas mettre les grosses bouteilles. Et là on a une deuxième cassette, un détail, les lires que tu vois là avec le duo contrôle, avec le bouton là, c'est pas de série. Chez Himer on a des lires classiques, donc il a fait remplacer tout ça par des lires avec la double sécurité tout simplement. Il y a une soute, hein, bien sûr. Il y a une soute, tu verras. Bon, là, tu devines un petit peu ce qu'on a en literie, hein, de toute façon. Quand tu vois ça, tu sais que plus ou moins, hein, il y a deux possibilités de literie. On le verra à l'intérieur. Je te laisse la surprise. Chez Himer, on a toujours le fameux vérin qui retient la porte, hein, pour t'éviter de l'avoir volé au moment où tu l'ouvres. Et là, on a une soute qui est dans laquelle quand même tu peux loger quelque chose de sympa. Je te fais tout de suite remarquer également que dans cette soute, on a une machine à laver. Ça veut dire que là, tu peux laver ton linge, en fait. C'est souvent les machines à laver qu'on retrouve souvent dans les camions d'expédition, quand tu les vois sur les vidéos YouTube, c'est souvent ce type de machine. Pour cette machine, a été rajoutée une pompe spécifique. En fait, il serait simple de remplacer la pompe et de mettre une pompe avec un peu plus de pression. Le problème, c'est que la plomberie ne le supporterait pas. Donc, tu es obligé de laisser la pompe d'origine pour la plomberie. Et si tu veux alimenter ton lave-linge d'une manière normale, hein, pour qu'il fonctionne normalement, eh bien, il te faut rajouter une autre pompe plus puissante, avec plus de pression, pour pouvoir la faire tourner tout simplement. Et alors là, tu peux voir, hein, là, on a tous les rangements, on a les bacs de rangement d'origine, hein, tout est... Alors, il y a des bacs, là, mais qui disparaîtront, hein, mais voilà. Alors, on va regarder ça au fond, hein, je t'en parlerai après, tu vois, il y a un système de filtration également, on en parlera un peu plus tard. Là, ici... On a pensé également au petit étendoir, hein. Ça veut dire que quand tu as lavé ton linge, ben, tu veux l'étendre, tu ouvres ta petite porte et boum, tu étales ton linge au milieu du Sahara, ça sèche vite avec le soleil. Les serrures, il y en a deux bien sûr, à chaque fois tout est bien sécurisé quand même. Hein. Chez Himer, les portes elles sont souvent sur du 2 points minimum et ça c'est du coup beaucoup plus sécur. Une option intéressante et pas très chère, bon marché, 2300 euros, c'est le système d'alarme Mercedes, en fait, Titronic, où sur ton téléphone, tu sais, quand on est en train de te faire une effraction ou quoi que ce soit, ça sonne, t'as laissé une vitre ouverte, voilà quoi. Tout ça, il y a une personne qui est en train d'essayer de démarrer ton véhicule et t'es averti avec ton téléphone. Voilà, t'as l'application Mercedes, c'est une alarme qui coûte pas très cher, 2300 euros, qui est quand même relativement bon marché. Je suppose qu'à ce prix-là, elle doit être efficace. Tu peux également rester à l'intérieur sans que ça sonne. Elle est à effraction, elle est également à alerte de mouvement, etc. Voilà, donc c'est plutôt
pas mal sur un véhicule comme ça, qui quand même coûte une blinde. C'est un investissement certes qui coûte un peu cher, mais il le faut. Hein. Fixation de la roue de secours ici au-dessus, donc on a un support particulier, hein, toujours avec ces magnifiques roues. Hein. Alors il y a un truc que je t'ai pas dit, je vais te le dire pour jouer la transparence parfaite, c'est que là, au moment où son propriétaire a fait installer, il faut une loupe, hein, mais lui il l'a vu, il y a un tout petit impact ici de rien, et ça, ça a été fait malheureusement chez le concessionnaire. Ah, ils étaient désolés. Voilà, c'est souvent ça, hein. Ils font des trucs et souvent après ils sont désolés, mais ça va pas plus loin. Le véhicule est remorquant, il n'a pas le crochet là, mais tu peux tout à fait rajouter un crochet. On pourrait remorquer avec ce véhicule 1850 kg à peu près. Hein. Si jamais tu veux une caravane tout terrain, tu vois, tu veux la mettre derrière pour mettre tes enfants par exemple, ou ta femme parce qu'elle t'a gonflé, eh ben tu peux mettre une remorque tout simplement. En dessous, alors c'est bien parce que là je suis pas obligé de m'allonger, il est tellement haut. On voit bien la protection, hein. On voit également le réservoir des eaux grises, je pense. On voit les vérins qui sont tout neufs, qui n'ont jamais servi, hein. D'ailleurs on va les essayer, ça va être une première. On va monter la cascade Jess Bondesque de la visite, donc on va la faire maintenant tout de suite. Il y a une échelle qui se verrouille en fait, t'as un verrou et tu verrouilles l'échelle pour éviter que les gens la déplient ou la volent. Hein. Alors j'en profite aussi pour te montrer la caméra de recul. Tu auras la visualisation dans l'écran central du véhicule, puisque là on est sur du Mercedes, le tableau de bord qui est complètement magnifique avec un écran assez important au centre. Eh bien tu as une vision qui est vraiment... tu verras, l'image elle est très très fine. Donc nous voilà presque en haut. Alors là tu vas voir, là c'est pareil, il y a du matériel. Donc on a un panneau de 250 watts qui est ici, on a un panneau de 120 watts qui est ici devant, on peut voir les spots donc, dont je te parlais qui sont aux quatre coins, et on a ici une climatisation, donc c'est une climatisation qui fonctionne pour la clim mais également pour le chauffage. C'est une pompe à chaleur en fait. Il y a un point vachement intéressant, c'est qu'elle fonctionne sur du 12 volts. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Ça veut dire qu'avec la capacité de batterie que tu as, ce que je te donnais tout à l'heure comme durée, tu peux la faire fonctionner beaucoup plus longtemps et elle va fonctionner sans transformation de courant. C'est vraiment exceptionnel. Hein. On peut voir les lanterneaux, on peut voir la ventilation, là, c'est-à-dire ventilation de cuisine. Il y a des panneaux d'origine, c'est des panneaux souples. C'est des panneaux qui créent quelquefois des problèmes, hein, mais qui de toute façon sont avantageusement remplacés par ceci. Ils ont quand même un petit fonctionnement. D'après le concessionnaire qui a posé les panneaux, bien que ça morde un petit peu, hein, pour mettre ce gros panneau, ils ont été obligés de mordre un petit peu sur celui-ci, mais il paraîtrait qu'il apporte quand même un petit peu de solaire en plus. Petit retour de l'utilisateur concernant cette climatisation, donc en 12 volts, hein, il est descendu dans le sud de l'Espagne avec, hein, les 3600 km, il a bien fallu qu'il les fasse. Et la clim marche toute la journée sur les batteries. Et tu, le soir, bah, tu as toujours une bonne capacité de batterie. Hein. Tu n'as pas diminué beaucoup tes batteries parce que ça consomme beaucoup moins qu'une 220 volts. Et en efficacité, bah, c'est un peu comme toutes les clims. Il faut t'attendre à 8-10 degrés de moins. Tu ne vas pas avoir 20 degrés quand il fait 40 degrés dehors, en clair. Hein, voilà. Il faut être... Si tu étais en plein cagnard et puis que il fait 40 degrés, tu peux pas obtenir 20 degrés avec, je pense, quasiment aucune des clims. Peut-être avec une clim surdimensionnée qui va consommer énormément, mais raisonnablement, ça n'existe pas. Hein. Donc là, c'est validé par son propriétaire et s'il devait racheter un véhicule, il prendrait ce type de clim. Deuxième porte de soute, on a un système de filtration d'eau. Alors on verra, il y aura la suite à l'intérieur, mais ça, c'est ce qui permet de filtrer tout ce que tu vas rentrer dans ton réservoir. Deux gros filtres, tu vois, une douchette extérieure. On a une sortie gaz, alors je le précise parce que ça paraît anodin. Tu te dis une sortie gaz, c'est rien du tout. Ça coûte 1000 balles, une sortie gaz comme ça, avec l'installation. 1000 balles, voilà. Tu veux faire une sortie gaz bien intégrée comme ça, propre, c'est 1000 balles. C'est pas très cher ça, 180 euros, voilà. Sur tous les véhicules d'expédition, ils montent quasiment ce type de filtre. Et oui, c'est quasiment indispensable selon où tu vas, de pouvoir filtrer l'eau que tu vas rentrer dans ton réservoir. Remplissage d'eau propre, c'est ici. Et pour se connecter au 220, c'est ici. Pour le remplissage des eaux propres, c'est 120 litres. Et 100 litres en eau grise. On voit les vérins. On les voit bien d'ici, toujours les mêmes magnifiques jantes. Alors, est-ce qu'on voit les amortisseurs? Oui, regarde. Regarde un peu. Le même type, hein, qu'à l'avant, avec le réglage qui est ici, hein, où tu peux durcir ou rendre un peu plus dur les suspensions. C'est plutôt pas mal. Et alors, on voit qu'il y a une lame rouge au milieu. C'est l'option. Ça fait partie de l'option crossover. On doit avoir une suspension renforcée, en fait. Hein. C'est neuf, hein, bien sûr. On voit l'arbre de transmission. On voit le magnifique carter de protection.
qui est un petit peu moins épique à l'avant, hein. Il doit faire 12-13 mm, hein, je pense. Donc, on m'explique qu'on peut encore avoir un jeu de lame plus raide que celui-là. Celui-là, je me semble déjà très très bien. Tous ces petits conseils, en fait, qui ont été apportés à l'utilisateur, hein, au moment où il a commandé son véhicule, c'est les Frabiz. Hein, il y en a beaucoup qui les connaissent. C'est eux qui lui ont recommandé ce type de suspension, parce que bah, ils les ont essayés, les ont utilisés, et puis ils étaient très satisfaits. De ce côté, j'ai pas grand-chose à te dire, sauf que là, on a un store, et ce store est électrique. Le truc est assez haut quand même, et c'est vrai qu'après, bah, faut y aller à la manivelle, donc son propriétaire a dit, allez, basta, on l'électrifie, et puis on est tranquille. Donc il sort électriquement, tout simplement. Donc le store est d'origine, sur le véhicule. Par contre, le moteur, ça te coûte 1000 balles en fait. Hein. L'option moteur, c'est 1000 balles, et on a une barre de LED tout le long. Au moment où tu ouvres ton store, bah, tu as cette magnifique barre de LED qui va t'éclairer l'endroit où tu es, bien sûr. Hein. En plus des deux spots que tu as déjà au-dessus, tu vois. Bon, alors c'est vrai que quand tu sors ton store, les spots, c'est fini, ils ne servent plus à rien. Alors, on va... J'ai un peu le trac parce qu'il a servi qu'une fois. Hein. Donc voilà, c'est des EP, bien sûr. Donc on en principe, tu appuies là, tu vois, mise à niveau. Ok, donc tu vas mettre automatique ici, voilà. Tu vois, là ils sont sortis, mais en fait, voilà, selon les trous, il faut bien sûr des cales. Hein. Il y a les cales qui sont avec. Et puis tu vois, alors on va les remonter. Voilà, regarde ça. Alors il faut le contact allumé, bien sûr. Hein. Il faut que le frein de parking soit mis également, parce que sinon le boîtier t'avertit. Et voilà, tu vois, ça monte, ça monte. Ça monte de partout. Ça, c'est vraiment, sur un véhicule comme ça, c'est très rare. Hein. Et voilà. Alors, ce petit boîtier de télécommande que tu te balades avec pour vérifier si t'es bien ou si t'es pas bien. Hein. Ensuite, ben, il te suffit de retourner à home, voilà, et puis de raccrocher sur son support. De support de charge, donc, qui va te permettre de charger également ici, sur le côté du véhicule, tu as ton petit support, il faut pas le mettre à l'envers, tu le mets vers l'en bas comme ça et tu appuies et ça y est. Tu peux ou le laisser là ou le démonter et puis te balader avec. On va rentrer maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc c'est un véhicule qui est compact, mais tu vas voir, on a quand même pas mal de place pour un petit véhicule comme ça. Voilà, 6,99. Et tu verras que pour 6,99, c'est quand même relativement spacieux, tu as tout ce qu'il faut. Alors, la porte, elle s'ouvre complètement, tu vois, elle s'ouvre complètement et elle est bloquée par ce petit frein, hein, voilà. La porte, bah oui, hein, c'est une porte classique, hein, de toute façon, on va avoir de quoi accrocher des vêtements, on a toujours le petit système d'alarme avec les petits détecteurs qui sont là. Hein. Là, logiquement, il y a une poubelle. Pourquoi a été enlevée cette poubelle? Parce que, alors, tu peux la remettre, hein, de toute façon, elle est fournie avec, parce que tu vois, on a une moustiquaire. Et quand cette moustiquaire est fermée, et que tu fermes ta porte, et ben ta poubelle rentre dans la moustiquaire et tu te retrouves à mettre une moustiquaire neuve parce que tu l'as arrachée. Alors je trouve que les profilés sont beaucoup plus rigides et ils me paraissent beaucoup mieux finis que ce que j'ai l'habitude de voir. Là on a un système d'aimant apparemment, même pas, non, c'est même pas... Si, si, c'est presque un aimant, c'est un aimant, tout à fait. À l'intérieur, bon, alors pour rentrer, bien sûr, on va avoir le marchepied, hein. Là celui-ci n'a pas été rajouté, il est d'origine, et on a une marche ensuite dans le plancher. Tout de suite en rentrant, on va avoir les boutons du marchepied, les boutons de l'éclairage, on va avoir les commandes pour les vérins, bien sûr, un petit filet, tu vois. On ne va pas avoir que quoi ranger les chaussures et tout, parce que le véhicule n'est pas non plus... c'est pas un liner, hein. Je te fais tout de suite remarquer le revêtement, qui est magnifique. Franchement, il y a une ambiance dans ce véhicule, c'est cosy, en fait. C'est vraiment cosy. On a ce petit lino, là, qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude, parce que d'habitude, on est plutôt à voir du faux plancher. Ben, ça, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est même inspirant pour mon véhicule, tu vois. On va maintenant voir la partie la plus caractéristique de ce véhicule, c'est le poste de conduite qui est somptueux, vraiment. Quand je présente un Mercedes, ben je suis à chaque fois ébloui par le tableau de bord qui est vraiment, vraiment somptueux. Hein. Donc on a là les indications au tableau de bord, là par exemple, on a marche-pied sorti, tu vois, donc le contact est allumé. On a un petit volant, j'avais le même sur ma classe A, j'avais une classe A AMG, et il y avait exactement le même volant, hein, à peu de choses près, avec toutes les commandes, tu vois, commande du téléphone, commande main libre, le franchissement de ligne, le véhicule est très très équipé, hein. Il y a pas mal d'options, le cruise control, bien sûr, c'est un démarrage sans clé, sur un Mercedes, le levier de vitesse, c'est un levier de vitesse, c'est comme un Komodo, en fait, hein. Donc tu le commandes directement ici,
Il y a les palettes au volant, bien sûr, tu vois, les palettes pour la boîte 9 vitesses. Les commandes ici de rétroviseur et de vitres électriques. Et là, on a l'éclairage avec le frein de parking électrique également. Alors, le frein de parking électrique, au moment où tu t'arrêtes, normalement, il s'enclenche tout seul. Tu as juste à l'enlever au moment où tu veux t'en aller, tout simplement. Et alors ensuite, bah, tu as ces deux gros bacs hein, où tu peux mettre des affaires. Tu as la climatisation avec les commandes qui sont ici. Et ça... c'est l'écran, tu vois. Donc là, l'écran, ça va te faire l'écran de la caméra de recul, mais ça va également... D'ailleurs, c'est simple, tu vas voir, on va appuyer ici. Si j'allume ça, voilà. Voilà, là, j'appuie sur le frein. Et là, je vais passer en mode marche arrière. Et voilà, tu vois. Là, j'ai la caméra de recul. Regarde un peu la définition du truc. C'est quand même chouette, hein. Alors, on voit super bien, quoi. Allez, vraiment, c'est vraiment fin. Puis alors, tu peux voir, regarde. Là, tu as deux vues différentes. Alors, apparemment, c'est les mêmes. Un peu plus loin, celle-là, non? Tu vas pouvoir paramétrer deux angles de vision différents, en fait. Hein, un angle de vision plus près du pare-choc, mais là, ça n'a pas été programmé. Pour couper, ben, on appuie sur le bouton. Alors, j'en profite pour te montrer que le véhicule a 3605 km exactement et qui consomme en moyenne à peu près 14,5 litres, tu vois. Donc là, ben, on va avoir un petit peu tout. Là, on peut enclencher la caméra de parking si on veut. On a la navigation. Tu peux parler, hein, tu dis « Allô, Mercedes ». Est-ce que tu peux me faire un café par exemple? Bon, là elle ne m'entend pas parce que le véhicule est arrêté, mais sinon elle me répondrait. Elle me dirait peut-être je suis pas ton chien, tu vois, tu m'as pas payé pour que je te fasse le café. Mais si tu veux, je peux te donner la route. Donc tu dis je veux aller à tel endroit et elle va te chercher toute seule en fait. Elle te rend des services comme ça, quoi. Ça peut être sympa. Tout ça pour te dire qu'on est quand même sur un tableau de bord qui est digne d'une berline, hein, presque. On pourrait presque se croire dans une voiture de la gamme Mercedes, hein. Les classes A ou les classes C, c'est vraiment rien que le volant déjà, rien que le toucher du volant, on n'est plus dans un utilitaire du tout. Ce qu'il y a de très sympa également sur ce véhicule, je vais te tourner les sièges. Alors les sièges, pour les tourner, il faut légèrement les avancer, et ensuite, tu vois, alors c'est pareil, moi le mien, du coup, il faut que je le recule, parce que je me suis avancé, et c'est normal, hein, le véhicule est un peu étroit, donc forcément, les sièges sont spacieux et confortables, voilà. Tu as une finition qui résiste à pas mal de choses, en fait, hein. C'est une espèce de tweed assez solide, tu vois. C'est un tissu assez solide et ça change des tissus un petit peu fragiles. Il y a un petit détail aussi, c'est que les accoudoirs, regarde, t'as pas de molette, en fait. Ça, c'est vachement sympa aussi. La putette qui se rentre là à l'intérieur. Ici, si tu as des grandes guiboles, bah, tu peux allonger l'assise. Vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'allais oublier. Là, c'est pour déclencher le compresseur pour l'air. Hein. Voilà, c'est ici. Et là, tu as les commandes séparées droite-gauche pour les lumières qu'on t'a montrées tout à l'heure à l'extérieur. Donc, tu peux les allumer d'ici. Tu peux allumer l'arrière. Tu peux vidanger tes eaux grises directement d'ici. C'est une vanne électrique. Et ici, tu as le bouton pour rentrer le marchepied à distance. On va continuer dans la préparation, hein, parce que là, il y a la préparation, il y a plein de choses qui ont été modifiées sur ce véhicule. Alors, on a cet énorme Skydome qui est à l'avant, hein. On va le fermer pour les contre-jours. Et voilà, tu vois, avec un store plissé. Une petite imposte là, sur lequel on peut poser un peu des affaires. Tu vas avoir une petite lampe pour une lecteur de cartes. Et alors là, normalement, ça c'est fermé. Ça c'est fermé, son propriétaire a dit, c'est quand même dommage. Alors, il a fait faire, tu vois, modifier ça. Et du coup, là, maintenant, tu as des charnières, tu as une petite porte, et tu vois, voilà, tu peux les fermer directement. Tu en as deux, un de chaque côté. C'est plutôt pas mal. Alors, ça, c'est pareil. Hein. Ça coûte, hein, parce que ça, c'est fait forcément. C'est fait, c'est pas lui qui l'a bricolé, hein, il l'a fait faire. Hein. Ensuite, tu vas avoir les ports USB qui ont été rajoutés également. La prise de courant, je suppose qu'elle n'était pas d'origine non plus, et qu'elle a dû être rajoutée. Le téléviseur. On est sur un téléviseur qui est beaucoup plus grand que le téléviseur d'origine. Et alors, il vient se pivoter. 32 pouces, le téléviseur. Là, tu as un vrai téléviseur. Quand tu t'installes sur tes petits sièges, là, tu as vraiment une bonne visibilité. Parce que souvent, c'est des rikiki, les télévisions. Et alors, derrière, encore des ports USB, prise de courant. Et un Ontarion là-dessus. Ça veut dire que tu as un routeur avec une antenne particulière donc qui te permet d'avoir Internet dans le véhicule.
On voit ici, tu vois, une partie de l'intérieur, les télécommandes, etc. À l'origine, les contrôles de charge des batteries pour les panneaux solaires étaient ici à l'intérieur. Et son propriétaire les a fait déplacer pour les mettre ici sur le côté. Et comme ça, ils sont directement accessibles. Tu ne viens pas appuyer dessus lorsque tu ranges les affaires dans les placards. On va avoir également la commande du convertisseur. Tu peux allumer le convertisseur d'ici. Alors là, avec la réserve de courant que tu as, inutile de le dire que le convertisseur, il peut être branché non-stop. Hein. Si, même s'il est allumé tout le temps, t'as une grosse réserve de courant quand même. Hein. Et les petites fenêtres type camping-car avec toujours les moustiquaires et les... On a les deux. Hein. Là, ici, tu dois voir le... Voilà, t'as la moustiquaire et t'as le store qui vient des deux côtés, bien sûr. Hein, le store plissé. Hein. On va voir la commande du Truma, donc D6 gasoil, hein, chauffage gasoil. Le tableau de commande. Alors, le tableau de commande chez Himer, c'est tout simple. On appuie et ensuite, quand tu tournes, eh bien, t'as le voltage de la batterie cellule. Tu as les réservoirs d'eau. Tu as les réservoirs d'eau grise. Tu as le voltage de la batterie porteur. Et voilà, et ensuite pour couper, ben, tu appuies ici et ça coupe directement. Ça, c'est pour le store électrique. Le bouton qui est à côté, c'est pour la lumière LED. Donc tout est ici au-dessus. Ensuite, on va avoir une petite kitchenette sympathique avec des énormes tiroirs. Alors, c'est ce fameux tiroir qui grince parce que tu vois, quand il saute, ça grince un petit peu ici. Bon, ça va être réglé. Hein, au moment où tu prendras le véhicule, ce ne sera plus comme ça. Et voilà, pour les fermer, c'est tous des tiroirs freinés, bien sûr. Hein, tu as des grands tiroirs bien larges. Ça peut ressembler à ce qu'on peut voir éventuellement dans les fourgons aménagés. C'est souvent un petit peu ce type de cuisine. L'avantage par rapport à un fourgon aménagé, c'est qu'ici, on va avoir un peu plus de largeur. Bien sûr, les placards vont être un petit peu plus profonds. Sur la cuisine, on va avoir une plaque qui va te protéger le panneau pour t'éviter les projections de gras, par exemple, quand tu fais la cuisine. La bouteille de gaz qu'on a vu, la bouteille de GPL, c'est pour ça que la deuxième bouteille ne va pas te servir à grand chose, ne va te servir qu'à cuire la nourriture, et que ça. Et éventuellement, la prise barbecue qui est à l'extérieur. Autant te dire qu'une bouteille de gaz comme celle-ci, elle va te durer 3 mois. Hein. Et si tu fais à manger, si tu fais pas beaucoup à manger, elle va te durer... je sais pas combien de temps, mais longtemps. On va avoir des petits crochets qui sont déplaçables pour te permettre d'accrocher ce que tu veux. On a le robinet, bon, les robinets d'eau, hein, tu connais, avec un évier ici, tu vois, ouais, qui est tout neuf, hein, qui n'a pas beaucoup servi. Et ça, c'est un robinet pour les eaux potables. Ça veut dire que là, tu vas avoir de l'eau filtrée. Je vais te montrer ensuite, sous la litrice qu'on a, hein, sous le lit qui est ici, je vais te montrer le système de filtration qui est quand même impressionnant. Ça te permet de boire même de l'eau croupie, on va dire, hein, puisqu'elle est filtrée. On va venir donc ici. Alors ça, c'est la penderie. Hein, on a une penderie. Et ici en dessous, regarde, on a un système de filtration donc, qui est assez balèze, hein. C'est un système de filtration de maison en fait, hein. Et ça va te filtrer l'eau potable en fait, tout simplement. Là on a le compteur de 120, ça donc c'est une penderie, hein. Là tu peux y pendre tous tes vêtements, et c'est assez profond, hein. Ça fait un beau placard. La pompe, hein, le système de pompage, le système de filtration s'allume directement d'ici, hein, de ces boutons. 2 pour la pompe et 1 pour la machine à laver, ça veut dire que la pompe qui fait la machine à laver, parce que le système de filtration demande de la pression aussi, ça fonctionne sur la même pompe en fait. Hein. Le frigo, ça va être un frigo à compression. Donc c'est un frigo qui est grand pour la taille du véhicule également, avec un fraiseur. Hein. Le frigo à compression qui tourne bien sûr sur le jeu de batterie gigantesque qu'on a dans ce véhicule. Hein. Tout en face, on va avoir la salle d'eau. Tu vas voir que c'est quand même relativement pratique. On a donc les toilettes à cassette qu'on t'a montré tout à l'heure. Là, on peut voir qu'on a une petite tablette qui vient s'ouvrir pour y poser des affaires quand tu n'es pas aux toilettes. Tout ça, ben, ça fait des rangements. Hein. Tu as des rangements un petit peu partout, tu vois. Là, tu peux mettre tes produits, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. Le lavabo, donc en plastique post-formé, bon, c'est rempli son office. Hein. Tout en dessous, tu vois, on a le support pour le papier. Là, on n'a pas le support derrière le dos. C'est plutôt pas mal. Alors, tu vas me dire, ouais, mais là, Pascal, on prend la douche, là, on mouille tout, en fait. Tous tes papiers, tout ton truc, tu vas tout mouiller. Eh ben non, figure-toi, parce que on va déplacer toute cette paroi. On a un petit retour, là, qui vient cloisonner tout ça. Et quand tu as fermé ta porte ici, ben, tu as une douche qui est plutôt sympathique, tu vois. Une douche qui est plutôt spacieuse, avec un caillebotis au sol. On a là le tuyau d'évacuation qui reste, donc ça c'est le tuyau d'évacuation du lavabo. Une fois que tu as fermé ta porte, là, bah, t'es complètement à l'abri en fait. Hein. Voilà. Ça s'appuie avec la porte. Hein. Quand tu as ouvert la porte, ça vient s'appuyer, ça vient plaquer la partie amovible. Ça te permet d'avoir une vraie douche.
Une fois que tu as fermé ta porte, là, bah, t'es complètement à l'abri, en fait. Il y a un tiroir également ici, avec une tablette, une petite tablette. On a des petits placards, ça peut être pour ranger les pantoufles, mais tu as également accès au réservoir d'eau, hein, éventuellement. Ça peut être sympa. De ce côté, on a également encore un rangement, tu vois, où tu peux mettre pas mal de choses. Tu as quand même pas mal de rangements pour un petit véhicule comme ça. La literie, lit jumeau, 190 bien sûr, c'est pour moi le plus pratique dans un camping-car parce que ça prend pas une place énorme, hein, ça prend pas la place d'un lit central. Et en même temps, tu peux dormir dans l'autre sens et tu peux dormir à deux si tu veux dormir côte à côte, quoi, en fait. Hein. Alors, il y a une particularité dans ce véhicule, c'est qu'ils meurent, bon, ils font des choses, mais quelquefois ils font des choses et ils réfléchissent pas trop ou ils s'en foutent, en fait, on va dire. Donc là, ici, on a deux bons matelas. On a un sommier, tu vois, qui est plutôt sympathique, hein, un sommier avec des plots en plastique, hein, qui s'enfoncent, hein. Ça en fait une literie très confortable. Par contre, au milieu, on a un matelas qui n'a pas la même densité que le matelas du côté, et en plus, on n'a pas de sommier, en fait. Et alors, le truc, c'est que logiquement, la planche qui est ici, elle était beaucoup plus haute. Quand tu dormais un peu, que tu arrivais sur la jonction, bah, tu avais mal au dos, en fait, hein, parce que tu sentais les montants qui venaient te squinter le dos, on va dire, ce qui est. Donc son propriétaire, alors c'est pas encore ça a été commandé, ça, c'est en attente. Au moment où tu prendras ton véhicule, bah, ça sera équipé. Il a commandé d'autres matelas de la même densité que ceux-là, et il a fait remonter la planche qui est ici, et il va rajouter le même type de sommier. Ce qui fait que si tu décides de dormir dans l'autre sens, ou tu décides d'utiliser tout le lit, parce que tu vois, tu as une partie amovible là, qui vient là, hein, qui vient faire un grand lit, cette partie. Tu as les morceaux de matelas qui viennent tout réunir pour que ça fasse une grande literie, et bien tout ça, ce sera pareil. Il y aura les sommiers et il y aura les mêmes matelas. Ce qui veut dire que tu peux décider de dormir dans ce sens-là, tu peux décider de dormir sur toute la largeur du lit, tu ne seras pas gêné par les montants qui venaient t'enquiquiner. La climatisation, on t'en a parlé tout à l'heure, donc c'est une 12 volts qui fonctionne dans les deux sens, ce qui veut dire que ça, tu peux vraiment l'utiliser toute la journée, et son propriétaire nous a confirmé que c'était très efficace, en fait. C'est efficace comme n'importe quel clim en 220. Hein. Et là, on va avoir, ben oui, tout un tas de rangements. Alors là, tu peux partager les rangements avec madame. Je ne vais pas tout ouvrir parce que, bon, de toute façon, je vais t'en ouvrir un au milieu. Voilà, comme ça, tu es content. Tu vois un peu ce qu'on a comme rangement, tu vois. Voilà. Et ça te permet de partager. Donc, comme ça, vous ne vous disputez pas. Chacun a ses placards, tu vois. Chacun son placard. On a une petite ouverture de chaque côté. Ce qui fait que quand tu dors le matin au milieu du désert, eh ben, tu peux ouvrir, regarder si les dromadaires qui viennent te se frotter à ton camping-car. Et là, au fond, et on va avoir toujours les prises USB pour charger le téléphone. On va toujours avoir la prise de 120 et une prise 12 volts, donc type allume-cigare. Hein. On a également les deux éclairages. Je vais allumer, tu vois, regarde, ça moi j'adore. Parce que là, ici, tu as l'éclairage indirect, là. Tu as l'éclairage indirect ici, regarde. Ça, c'est magnifique, ça. Ça te met dans l'ambiance. Hein. Quand madame, elle arrive là-dedans, je peux te dire, si elle craque pas, elle craquera plus jamais. Hein. Trop grand avantage quand tu as allumé ces lumières, c'est que tu as les placards qui sont éclairés à l'intérieur. Regarde, ça fait un éclairage indirect qui est très, très joli. Et en plus, c'est vrai qu'on n'y voit jamais rien dans les placards. Moi, je sais que quand j'ouvre mes placards, je suis obligé d'ouvrir le grand lanterneau parce que sinon, j'y vois rien du tout, en fait. On a deux petits bacs, là, ça te permet de poser tes portables et tout ça. C'est bien, quoi. Il y a un turbo-vent ici, donc là, c'est vrai, c'est juste en face de la douche. Ça te permet d'évacuer un peu les vapeurs. Dans la douche, on va avoir un petit lanterneau, tu vois, avec un occultant également, hein, occultant et moustiquaire, bien sûr, hein, comme partout ailleurs. Et ici, on a ce fameux lanterneau qui va te permettre de laisser le lanterneau ouvert même quand tu roules. Parce qu'en fait, il ne va pas s'ouvrir comme ça, il va décoller. Donc ça peut aérer le véhicule quand tu roules, c'est plutôt pas mal. Et dedans, on a les éclairages qui sont intégrés, bien sûr. Tout ça dans 6,99 m. Ça va surtout intéresser des gens qui projettent d'acheter un véhicule comme ça neuf et qui vont devoir se taper la préparation parce que c'est pas un véhicule qui est prêt à faire du tout terrain, il faut dire ce qui est. Comme il t'est livré, tu peux faire des pistes roulantes, mais tu n'iras pas plus loin. Hein. Le plus beau tableau de bord du marché sur un véhicule de loisir. Il n'y a pas plus joli tableau de bord que sur ce véhicule. Le levier de vitesse, c'est sur... Ils l'ont légèrement changé. C'est sur... donc le drive, là, maintenant, il est vers le bas, je crois. Oui, vers le bas. Voilà, tu as le drive qui est vers le bas, on le déverrouille et c'est parti. Donc là, on est sur un 4x4. Donc là où moi, je peine, là, on est devant chez mes parents. Là où moi, je peine pour monter, bah là, tu montes les doigts dans le nez. Hein,
Bon, alors, boîte automatique, hein, bien sûr. Donc là, Mercedes, hein, donc une vraie boîte automatique. T'as pas à t'en occuper, quoi. S'il est haut, hein. Ouais. Combien tu mesures ? 3,35 au plus haut. 3,35 au plus haut. Donc ça, c'est le 4x4 grand confort. Hein. Pour que je te le pète, hein. Merci, non, monsieur. Non, t'inquiète pas. Impeccable. Alors, il y a un avantage quand même avec un 2 litres 2, c'est que ça va être beaucoup moins gourmand qu'avec un V6. Hein. Parce que les V6, ils ont quand même la réputation chez Mercedes de bouffer un petit peu, de bouffer même pas mal de carburant. Et malgré tout, on va obtenir la même puissance qu'avec un V6, puisqu'on a 190 chevaux, on est sur une puissance identique. Alors, il y a un petit quick-quick, mais tu t'affoles pas, c'est une serrure de porte qui est mal réglée. En fait, le véhicule, il a 3592 km. Hein. Autant te dire que là, t'achètes un véhicule qui est quasiment neuf, en fait. Hein. Bon, voilà, là, quand tu mets, voilà, t'appuies là. Et là, je vois qu'il y a l'air de franchissement de ligne aussi, hein, comme action, là. Ouais. Et ensuite, voilà, tu peux faire avec les palettes au volant, en fait. Si tu préfères être sur le rapport que tu as choisi, ben, tu cliques. Voilà. Des petites palettes discrètes, hein, bien, qui tombent bien sous la main, directement. Il y a un parking. Château, c'est tatoué, t'as marqué juste en face. Il y a un petit parking. Il y a longtemps que j'y suis plus allé, mais. Oh, c'est pas très Tony, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va avec ou pas ? On fait l'Afrique ou pas ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Faut pas le dire, mais je crois qu'on va partir seul, monsieur. Non, je rigole. Non, bah en vrai, il est super bien. Il est magnifique. Ouais. Magnifique. Ça, franchement, ça fait rêver. Puis quand tu roules là-dedans, là, t'es, c'est vrai, il le dit son propriétaire, mais t'as envie de sortir des chemins, en fait. T'as envie de rouler en milieu des vignes, là, franchement. C'est une invitation à rouler en tout terrain, ce véhicule.
Combien ça coûte un truc comme ça, neuf en fait? Là aujourd'hui, tu vas chez le concessionnaire, tu dis voilà, je veux un 570 4x4 et je veux faire une préparation, suspension, je veux la clim, je veux tout ce qu'il y a dessus là-dessus. Bon, et bien tu vas rajouter environ 60 000 euros, un peu plus de 60 000 euros au prix du véhicule. En fait, aujourd'hui, si tu achètes un véhicule identique chez ton concessionnaire, tu vas le payer 210 000. T'imagines bien que quand tu fais faire un véhicule comme ça, t'es motivé, quoi. Hein. T'as un bon projet derrière, parce que sinon tu fais pas une préparation pareille. On peut dire, oh, c'est quand même déconnant d'aller mettre 60 000 euros de préparation, mais les gens qui font préparer des véhicules, comme par exemple le 4x4 Iveco, des 4x4 Iveco chez des préparateurs français, hein, sur lesquels ils te mettent une cellule et tout, c'est plus de 200 000 balles, hein, sur un châssis Iveco d'élite, tu vois. Donc, ça peut paraître en effet excessif et énorme, mais en même temps, ça passe par là. Si vraiment tu veux voyager et tu veux faire du off-road, ça passe par là. Tu es obligé de préparer ce véhicule de cette manière. C'est le prix à payer. Pourquoi on fait un véhicule comme ça et on y met autant d'énergie et autant d'argent pour au final s'en séparer? Tout simplement, et ça c'est facilement compréhensible, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir pourquoi c'est à vendre. Pourquoi on le vend le véhicule là et c'est pas normal et il a 3600 km? Ben, tout simplement parce que c'est un projet de vie et c'est quelquefois un projet de vie que tu fais en couple. Tu vois, tu peux avoir une idée en fait, hein. Tu as une idée de faire un voyage et puis tu mets, si tu as selon les moyens que tu as, tu mets l'argent qu'il faut pour avoir la machine qui va te permettre d'accomplir ce rêve. Et puis finalement, quelquefois c'est ton rêve, mais c'est pas le rêve de la personne qui est avec toi. Quelquefois le couple est un peu fragilisé par des projets, que tu vas entraîner une personne dans un projet qui va dire oui, mais finalement elle est pas vraiment sûre. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette histoire, c'est que ce projet-là n'est pas arrivé à son terme. Donc la personne qui met en place tout ça et qui fait préparer ce véhicule avec amour, qui attend, qui a les délais pour recevoir les choses, tout est long, et puis qu'au final, les récupère et puis tout éclate en morceaux. Je peux te le dire parce que moi, j'ai eu une compagne, on avait acheté un Laïka, mon premier camping-car. Je me suis retrouvé finalement à vivre dedans seul parce que ça n'a pas été suivi en fait. Et je me suis retrouvé tout seul. J'aurais pu revendre ce véhicule, ben moi j'ai décidé à ce moment-là de quitter l'appartement qu'on partageait et d'aller vivre dans ce camping-car. J'y ai vécu une bonne année. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire. En fait, aujourd'hui, son propriétaire, ce véhicule n'est plus justifié. Aujourd'hui, il ne se voit pas partir, traverser le monde, traverser la mer pour faire le Maroc ou autre, seul en fait. Il préfère avoir un véhicule pour rouler en France. Et là c'est tout cette débauche de préparation sert à rien. Ça sert à rien de faire un véhicule comme ça pour rouler sur le goudron en France ou ailleurs. C'est un véhicule qui a envie de faire du tout-terrain. Voilà. Voilà les raisons. Alors forcément, tu te doutes bien que quand on revend un véhicule comme ça dans l'année, parce que là, il est de avril 2023, ce véhicule, hein. Avril 2023. Il n'est pas fini en plus. Il n'est pas fini parce qu'il manque deux. Il manque le sommier et les matelas. Pour le milieu, là. C'est toutes des préparations qui avaient été faites pour le confort, encore une fois, la machine à laver, tout ça. C'était vraiment réfléchi pour voyager, en fait. Et ben, quand tu le vends, tu te mets une tôle monumentale. Hein. Tu perds de l'argent. Donc, on va te proposer ce véhicule. Ça a été une discussion quand même assez longue parce que c'est difficile pour son propriétaire d'admettre qu'il va devoir perdre de l'argent. Mmh. Et du coup, on a calculé le juste prix avec lui pour que ce soit intéressant pour l'acquéreur et que lui, il ne perde pas non plus sa chemise. Quoi. Puis il n'a pas trop à le vendre non plus parce qu'il y a des gens, ils en ont pour leur argent, c'est normal. Ils ont mis une certaine somme quand même dans un véhicule. Mmh. Perdre de 30 000, 40 000. Ouais. C'est assez compliqué à entendre quand même. Ouais. Là, c'est un peu ce qui va se passer en fait, ouais, parce que ce véhicule qui vaut 210 000 euros, hein, à combien on va le proposer, Tony? On va le proposer à 174 000. Voilà, 174 000 euros avec cette préparation, donc qui voilà, tu étais à la liste, c'est énorme en fait. C'est tout ce qui a été fait sur ce véhicule dans le détail, jusqu'aux boîtes sur le côté, tu vois. Ici, les portes, tout intégré, tout comme d'origine. Il y a un boulot énorme, il y a des prises USB, alors ça c'est des détails, mais la filtration, les roues, les pneus, la suspension, les plaques de protection, le treuil, tous les feux, tout ça, c'est vraiment, le véhicule est prêt à partir là, il n'attend plus que ça. Voilà, donc je me doute que
je vais pas avoir sans appel, hein, je vais pas avoir autant que d'habitude, il va pas y avoir énormément de gens. Je pense que ce véhicule s'adresse à quelqu'un qui est déjà intéressé par un véhicule comme celui-là, qui projette d'acheter un véhicule comme celui-là, et qui de toute façon, s'il veut l'utiliser comme ce pourquoi il a été prévu au départ, mais pas vraiment, bah, il va devoir faire cette préparation en fait, pour pouvoir vraiment être à l'aise. Hein. Donc voilà. Je te donne, hein, tu sais, tu connais l'ascension, hein, c'est ici. Ne me contacte pas, je suis désolé, il y en a qui se vexent, mais c'est la règle, hein, parce qu'aujourd'hui, le temps perdu, là, tu peux pas t'imaginer. Le temps que je perds avec des moulins à vent, tu peux pas t'imaginer. Des gens qui me disent, oui, je te prends le véhicule, et ça y est, vas-y, mets-moi en contact, ça y est, on prend, et puis qu'au final, ils changent d'avis parce que le lit était pas assez long, parce que tu vois, et sans me prévenir en fait, hein. Ils devaient envoyer un acompte et puis finalement, entre-temps, la nuit, ils ont réfléchi. Ça, je peux plus. Franchement, je suis désolé, mais si c'était moi le vendeur, moi, je les envoie chier direct, hein, les gens comme ça. Donc, si tu m'appelles, tu sais ce que c'est. Tu sais comment c'est fait à l'intérieur. Tu connais l'implantation. Tu viens pas pour découvrir et faire comme si tu allais chez un concessionnaire. Hein. C'est pas ça du tout, là. La démarche, c'est pas comme ça. La démarche, elle est, tu sais ce que vaut ce véhicule. Tu es allé le voir. Tu en as vu déjà. Il y en a chez les concessions, hein. Tu peux aller les voir et tu sais ce que tu achètes. Voilà. Et à ce moment-là, tu as un véhicule neuf ici. On t'a montré le seul et unique défaut qu'il y avait. C'était un tout petit impact minuscule qu'on a même du mal à trouver en dessous de la porte de la cassette. C'est tout. Voilà. Après, tu as un véhicule qui est préparé, qui est garanti, hein, qui a été fait chez. Toute la préparation a été faite chez un concessionnaire. Tu n'as plus qu'à partir en fait. C'est ici. Donc j'espère que. Un autre détail, j'en ai encore, malgré tout ce que je dis dans mes vidéos, qui m'envoient des demandes sans numéro de téléphone. Moi, une demande sans numéro de téléphone, pour moi, c'est difficile de la prendre en considération, parce que j'ai pas de temps pour ça. Tu vois bien, je te sors des vidéos, j'ai deux chaînes, je voyage un peu de partout pour valider et visiter des camping-cars. Donc, ben voilà, excusez-moi, hein, c'est d'être un petit peu ferme sur ces points-là, mais c'est important parce qu'on vit une époque où malheureusement, l'engagement ne vaut plus grand-chose. Hein. Donc je préfère bien vous prévenir avant. Dernier petit truc, pour résumer. Vas-y. Pour moi, ce véhicule, si vous recherchez, enfin si vous avez déjà prévu d'acheter un véhicule dans le genre, vu qu'il est quasiment neuf, c'est très intéressant parce qu'il perd 40 000. Ah ouais. Sur la valeur, t'as pas de délai là. Là, tu peux le prendre direct. T'as pas de délai à attendre. T'as pas de préparation à faire. T'as pas tout ça. Tout est dedans. Tout est déjà là. Il faut insister sur le fait qu'il est seulement 4000 km. Il a 3600 km. Voilà. Il va rentrer avec chez lui. Et puis, bah, peut-être après, peut-être que le jour d'après la vidéo, tu te seras engagé et tu vas l'avoir. Il aura à peine plus de kilomètres. Ouais. Hein. Donc voilà. Voilà la famille, c'est tout. Eh ben écoute, j'espère que tu te seras bien régalé avec cette vidéo. N'hésite pas parce que je remarque que quand même, des pouces, vous êtes un peu avare. C'est pas payant les pouces, hein. Les abonnements non plus, c'est gratuit. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, des commentaires. On a aussi vu qu'il y a beaucoup de gens que les 56%. Vidéos, voilà, c'est ça. Les vidéos, elles leur plaisent et ils sont pas abonnés. 56%. Alors, abonnés, papa, ils gagnent rien. Enfin, à part le référencement, voilà. Ça, YouTube mettront plus en avant les vidéos de papa. C'est ça. Donc la cloche également. Ciao la famille, ciao. À tout bientôt.